Bonjour maestro Étienne Jean-Pierre. Je dis on a pour ti expliquer soit pas connait de alors pour dire nous ça pas connait de maestro Étienne Jean-Pierre et spécialement pour chorale maestro Étienne Jean-Pierre a dirigé comme maestro. Maestro Étienne Jean-Pierre comment est? Bon, bonjour monsieur Critique avec Jésus, nous tout va bien. Kembe. OK, c'est très bien maestro Étienne Jean-Pierre ou c'est maestro et est-ce que c'est maestro musique ou bien dans qui ça même ou maestro? Maestro au niveau de vocal, nous faisons arrangement vocal et surtout au niveau de son chanté. Et spécialement, maestro choral, comme on dit déjà, c'est une de factualité. Ce n'est pas genou, qui c'est pas joué tout nous, et travaille au niveau de vocal. Nous jouons musique aussi, mais nous plus travaillons nos maestro au niveau de vocal. Maestro Étienne Jean-Pierre, depuis qu'il est au maestro et comment vous trouvez l'expérience là? Bon, nous maestro depuis 1999, puisque nous commençons à nous dire ça depuis Haïti. Nous rappelons, nous sommes à l'âge de 17 ans, la première fois nous recevons la responsabilité de travail comme maestro. Nous avons le maestro pour la capella, qui a pour titre El Shaddai, en ville Jacmel. Et c'est nous sommes Jacmeliens aussi, nous faisons tout faire comme ça, tout en partie. Et après, nous avons desservi comme maestro dans le nouveau groupe ça depuis 17 ans. Après, nous venons passer maestro choral à l'église côté de notre milité, qui c'est l'église Christ pour tous à Jacmel. Et puis, l'église de Dieu de Bethesda, de Capou, Jean-Paul, Vincent Jacmel aussi, nous avons une possibilité de nous desservi comme maestro dans notre grand choral encore. Et nous travaillons dans le ministère depuis 17 ans. Depuis 17 ans d'âge, nous travaillons. Mais à nos jours, ça fait beaucoup de temps que nous avons bâillé service. Bon Dieu, permettez-nous. Nous travaillons dans le ministère, ça, qui c'est maestro, faire chanter, apprendre à nous chanter. Ok, c'est très bien maestro Étienne. Maestro Étienne, pour le moment, combien de groupes ou bien combien de chorales ou bien qui vous êtes maestro actuellement? Bon, pour le moment, nous avons milité dans la tête trois chorales, deux chorales à cappella, et puis un chorale gospel, et puis un groupe à cappella qui est seulement garçon seulement. Ok, maestro Étienne, cela veut dire est-ce que nous avons dit Mounio et ça il répond avec besoin quotidien? Et question de ou avec exercer une profession qui c'est maestro, est-ce qu'il s'est touché ou touché le bouli? Est-ce qu'il ou juste fait ça volontairement ou bien comment ça aille même? Bon, depuis au commencement, nous commençons à faire volontairement puisque son faveur. Nous rendons compte que son faveur que mon Dieu fait nous, puisque nous partons dans un premier temps, avant même que nous prenions une formation pour ça, nous avons dit que nous vocation. Nous avons desservi la donne de façon volontairement. Il pas pour nous, nous pas gagnons somme à toucher la donne, sauf que bon Dieu lui-même lui prend soin de nous et lui rend possible tout ça qui apparaît possible. Hypocrisie. C'est un engagement dit oui,
qui vous dirigez. Risquez d'en célébrer vos victoires, l'amour. Yo, mon Dieu, sacré, soutenant mon Dieu. L'amour à Christ manifesté, même gens. C'est la caisse, c'est pas des hypocrisies. Actuellement, c'est maestro, environ 3 chorales, j'en dis. Est-ce que vous avez une chorale qui est une chorale qui préfère ou sans pire là-dedans? Bon, normalement, en fonction de maestro, ça qui arrive, question de façon tactique, mais puisque c'est nous qui avons desservi, ça qui arrive ou jouer une performance un côté plus que l'autre, ou bien chaque qualité, pas yo, mais nous pas gagnons une que nous puissions remettre, puisque nous remettons le travail en soi. C'est pas que ça ne peut pas dire une chorale, ça peut dépendre. Et les habilités chorales ou bien l'intelligence d'apprentissage, voilà, ça veut dire que nous, les chorales, ça, ils ont légèreté plus ou moins. Mais c'est, nous remettons toutes les chorales, nous remettons toutes les institutions, nous remettons que nous sommes sur ça. Ok, maestro Etienne, et c'est très bien. Et qui, dans une autre chorale, ça, qui chorale qui est déjà dans le studio, qui met de voix ou bien qui musique qui est publiée, qui est distribuée déjà? Bon, nous avons un projet rentré dans le studio pendant l'année ça. Nous avons vécu l'expérience du studio avec Coralie ici en tout. Nous avons vécu avec groupe en Haïti. Mais pour ici dans le Dominique, nous avons rentré dans le studio. Mais nous avons Coralie qui a une musique qui est déjà sur YouTube, qui c'est la cantoire de la voix évangélique de Bavalo en République Dominicaine. Nous avons déjà sur YouTube, mais nous avons rentré dans le studio, mais nous travaillé pendant l'année ça, si Dieu nous permet. Nous rentrons dans le studio. Même Jean à la croix, mon Dieu, apprends-nous ça. L'immense respect, patience, compréhension. Dans notre fonctionnement, vous ne pas faiblir. Puisque dans ces lèvres, vos victoires, l'amour. Nous, Dieu, sacré, saute dans mon Dieu. L'amour à l'esprit manifesté, même Jean. C'est dans bien, c'est pas bien, hypocrisie. Nous faisons cette photo sous ton chef, ça a commencé depuis nos jardins. On est tous pour Marie et madame, et pour madame, nous avons tout respect. Puisque nous célébrons vos victoires, l'amour, l'objet sacré sous ton bon Dieu. L'amour. Alors, pendant qu'on parle de courant de la voix évangélique, moi, chorale a toujours performé avec uniforme. C'est que ça a vraiment plaisir, c'est à toute beauté. Est-ce que uniforme ça aussi, c'est le président chorale là qui fait, ou bien chorale là qui est un manager quelconque, ou bien c'est nous-mêmes qui mettons ensemble, nous faisons uniforme ça. Comment ça est même? Bon, normalement, uniforme, c'est nous-mêmes qui mettons ensemble, nous faisons, c'est même membre chorale encore, qui mettons ensemble, qui contribue entre eux pour que nous faisons uniforme ça. Ok, maestro Etienne. Combien de temps le chorale la voix évangélique gagne et combien de temps vous gagnez pour maestro dans la tête chorale la voix évangélique? Chorale la voix évangélique prend naissance en 3 juillet 2008. 2008 ou 2020, ça fait environ 12 années depuis que chorale la voix a fonctionné. Nous gagnons la même quantité de temps aussi depuis que nous avons desservi comme maestro dans la chorale. En premier lieu, nous avons commencé avec 2 maestros, nous gagnons une divine et laissée. Nous, c'est nous qui continuons depuis 2008 en nos jours. Bon Dieu peut mettre nos grâces et faveurs, nous avons bâillé service, nous avons servi comme maestro dans ta porte. Ou bien? Oui, grâce à Dieu, nous sommes mariés, nous avons 3 petites et nous avons 11 ans de mariage. Ok, maestro Etienne Jean-Pierre. Maestro Etienne, est-ce que vous dites nous à qui musique nous côté à dans le studio? Bon, jusqu'à maintenant, nous avons déterminé la musique, mais nous avons plusieurs musiques que nous comptons, puisque nous avons travaillé pour nous connaître si c'est un album en pleine forme, ou bien si c'est un test précis, ça va dépendre, ou bien si. Et n'a fait mi-temps dans un album, ça peut dépendre. Jusqu'à maintenant, nous avons
centraliser quantité de musique et tout nous beaucoup et spécialiser exactement musique que nous pouvons pour nous styliser puisque nous avons plusieurs musiques. Nous avons une soixantaine de musiques pour aller. Nous concevons, nous beaucoup fait, ça nous t'a dit, coordination bien rectification à musique. Mais il prévoit la musique, le peuple a plus sentir dans les bien pour entendre. Nous prenons tout pour nous faire au service, il suffit que puisque vous allez déjà sur YouTube. Ça fait un plaisir depuis que nous avons le possible, nous avons le aussi. Est-ce que vous évaluez combien de monde qui dans le choral là? Et combien de garçons, combien de filles, si c'est possible? Le choral là, il y a environ 57 personnes, sans compter ça qui ne vivent pas vivre dans le pays encore, puisqu'il était dans 60 vallées. Mais il y a c'est de même ça qui est le Chili, c'est le Brésil, c'est les États-Unis. Il était à 57 personnes. Mais il y a environ 15 garçons. Et tout est sûr, c'est fini. Dieu sacré saute dans mon Dieu. Est-ce que Chanel YouTube ça, c'est Chanel Ma Histoire spécialement ou bien Chanel tout court là? Bon, maintenant, le travail, on commence par nous faire au nom de Ma Histoire. Ça qui est le devant, ça qui arrive, nous changer le nom pour que le courant là. Ok, alors, courant là, Chanel YouTube là, comment il est, c'est Ma Histoire Etienne Jean-Pierre. Ma Histoire Etienne Jean-Pierre. Ma Histoire Etienne Jean-Pierre. Dernière question, Ma Histoire Etienne Jean-Pierre, est-ce que courant ça? Les gens ont manager ou bien les gens ont producteur ou bien comment ça est, qui est-ce qui sponsorise le choral là? Bon, il n'y a pas de manager qui sponsorise, mais après nous avons travaillé pour nous sur les réseaux sociaux, nous avons un producteur qui s'est mettre critique, un producteur qui fait un pile, qui connaît un pile sur les réseaux sociaux, puisqu'il travaille dans plusieurs domaines. C'est lui qui producteur nos moments, mais pour manager, nous n'avons pas de manager. Ok, Maestro Etienne, si tu as dit un dernier mot, qui s'est le bon, si je dis un dernier mot, puisque nous connaissons sans peuple là, il est impossible pour nous avancer. Et nous avons besoin de la main forte de toutes les familles amis nous, qui remet Maestro Etienne et qui remet Choral là. Et nous prêts pour nous faire le service dans le niveau qui est possible. Nous avons demandé avec tous les amis nous. Abonnez avec Chanel là et puis partagez, likez, commentez, puis c'est commentaire fait nous bien. On a pris ça pour nous corriger, ça pour nous rectifier, ça pour nous augmenter. La fait nous bien. Nous souhaitons que tous les amis de New York qui veulent garder et commenter ça, meilleur travail, meilleur service au cabane, meilleure façon de aider nous, c'est abonner avec Chanel là et puis partagez, likez, commentez. Ok, merci un peu, Maestro Etienne. C'était Critique Image qui était ensemble avant. Frappez-moi. Laisse à bon, dis le bon.